Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc pour cette toute première conférence d'un projet qui est porté par l'IUT au nom donc de CY, votre université. Il s'agit d'un projet de transition écologique que l'on doit à deux enseignantes du département TC de Sarcelles hein, qui se sont emparées de ce sujet et qui se sont dit qu'il fallait sensibiliser l'ensemble des promotions à ces enjeux qui sont capitaux pour vous, hein, dans vos métiers. Et pour cette ouverture, donc vous voyez, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu sympathique. On a surtout l'honneur d'accueillir deux représentants de votre université. Donc, Ronan Hébert, qui est vice-président adjoint à la transition écologique, et Bruno Fiorio, qui est vice-président adjoint à la pédagogie pour le premier cycle. Donc, vice-président adjoint, ça veut dire qu'ils assistent votre président d'université, Laurent Gatineau, dans toutes les missions qui vous concernent. Hein. Donc, comment est-ce qu'on prend des décisions pédagogiques pour le premier cycle? Quel type d'enseignement? Comment est-ce qu'on porte justement des projets qui peuvent vous aider dans l'acquisition de vos connaissances et de vos compétences? Et vice-président adjoint à la transition écologique, eh bien, typiquement, hein, il s'agit d'accompagner des événements comme celui-ci qui doivent permettre d'inscrire votre université dans un contexte environnemental qui nous interroge quand même tous beaucoup. Nous avons deux conférencières aujourd'hui, Catherine et Roselyne. Donc Catherine Catin, qui elle est à l'ingénierie pédagogique, et Roselyne Descoux-Régnier, qui a quitté l'IUT depuis pas très longtemps. Elle intervenait en génie biologique et en technique de commercialisation à Saint-Martin, et qui a rejoint une école d'ingénieurs très proche de nous, puisqu'il s'agit de l'ENCA, donc, qui est une école d'électronique appliquée plutôt. Donc, je vais d'abord laisser la parole aux représentants de l'université. Peut-être, Monsieur Wardet, que vous connaissez tous, qui est le directeur de votre IUT quand même. Hein. Voilà, nous écoute religieusement, donc vous allez faire pareil. Vous allez prendre exemple sur votre directeur. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on prend des notes. On a tous éteint ses téléphones. Et encore une fois, donc, on fait attention à la retransmission. Bonjour à tous. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes en ce qui me concerne, en tout cas. Moi, c'est juste, je vais vous donner un petit cadre local et puis national. CY a l'ambition de former 100% de ses étudiants et 100% de ses personnels. Quand je dis personnel, c'est les enseignants-chercheurs et aussi les personnels administratifs et techniques, aux enjeux de la transition écologique et sociale. Et on a bénéficié, il y a 2 ans maintenant, d'un programme d'initiative d'excellence qui s'appelle CY Génération et qui nous accompagne dans la mise en œuvre de certaines actions autour de cette problématique. C'est à ce titre qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant une rentrée climat. Alors je ne sais pas si vous la faites à l'IUT, mais en tout cas, on l'a faite au niveau de différentes composantes de l'établissement. Et on a mis aussi en place, ou va se mettre en place au second semestre à l'Institut des sciences et techniques, une unité d'enseignement libre autour de la TES. Au-delà de ça, si on regarde ce qui se passe sur le plan national, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a décidé aussi de mettre en place un socle commun de connaissances autour de la transition écologique et sociale à partir de la rentrée 2025. Ça sera une obligation pour toutes les universités. Donc quelque part, CY était un peu précurseur il y a 2-3 ans en souhaitant former tous ses étudiants à ces enjeux-là. Et depuis, on est rattrapé par une directive nationale qui est que tous les étudiants doivent être formés à ça dans tous les établissements du supérieur. Vous, à l'IUT, vous avez cette chance de bénéficier d'un programme qui est financé par le NCU. Alors ça veut dire nouveau cursus, NCU, c'est ça. Nouveau cursus universitaire, et vous avez la chance d'expérimenter donc ce nouveau programme qui s'appelle Design Your Sustainable Future. Vous êtes des pionniers ici, vous, cette promotion-là, vous êtes des pionniers dans la mise en œuvre
de cette expérimentation. Et donc, pour CY, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce retour d'expérience et de voir comment ça va se passer pour les deux ans qui viennent. Et on espère que ce sera très, très intéressant, et pour vous, et aussi pour l'établissement. Enfin, j'ai compris que vous étiez des étudiants de génie civil, si je ne me trompe pas. Et vous savez sans doute que le monde du génie civil est justement sujet à de nombreuses problématiques ou de nombreuses problématiques environnementales. Vous avez des matériaux qui sont très polluants dans leur consommation énergétique et tout ça. Donc c'est un sujet qui vous concerne principalement, puisque de plus en plus, les réglementations autour du génie civil engagent à avoir un impact ou à limiter l'impact du génie civil ou du domaine de la construction et du BTP en général. Donc je pense que c'est une problématique très intéressante pour vous. Et je voudrais remercier l'IUT pour nous avoir proposé de participer à l'inauguration de cette nouvelle formation. Et je propose de vous laisser la parole au vice-président adjoint à la formation du premier cycle. Merci et puis bonne conférence. Merci Ronan. Bonjour à toutes et tous. Je vais être assez rapide. Ronan vous a déjà dit les éléments les plus importants concernant ce programme qui démarre aujourd'hui pour vous. Juste peut-être vous dire qu'il fait partie d'un ensemble de programmes qui se développe dans l'ensemble des composantes de l'établissement. L'objectif, c'est à la rentrée prochaine que chaque étudiant de licence, de la L1 en particulier, bénéficie d'une approche des questions de transition, du développement durable, et que cette approche se fasse dans un cadre pédagogique un petit peu renouvelé, puisque la grosse innovation en ce terme-là, pour ce qui vous concerne et ce qui concernera aussi les autres étudiants, c'est le fait que ce module-là est développé de manière très transversale. Vous allez travailler, je crois, l'année prochaine avec vos collègues des autres départements de l'IUT. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que face à ces enjeux de transition, enfin, qui sont à la fois des problématiques écologiques fortes, vous les connaissez, mais il y a aussi tout un aspect sociétal majeur, puisqu'on anticipe des transformations en profondeur de nos organisations sociales, et vous serez demain les acteurs de ces transformations-là. Et donc, pour vous donner, et que vous soyez en capacité de conduire au mieux à la fois votre trajectoire et puis contribuer à la trajectoire de nos sociétés futures, il faut que vous maîtrisiez bien sûr vos fondamentaux, donc le génie civil pour ce qui vous concerne, mais il faut aussi que vous soyez beaucoup plus ouvert que ne l'étaient les générations précédentes d'étudiantes sur les autres disciplines, les autres enjeux, parce que tout ça, c'est un écosystème, enfin un système global. Ce qui se passe sur une thématique influe à tous les niveaux. Il faut que vous soyez conscient de ces enjeux-là et que vous soyez en capacité de faire des choix demain dans cet environnement un peu global. L'autre élément et le dernier élément aussi en termes d'innovation pédagogique, c'est une place forte faite dans ces modules-là à la pédagogie de projet. Alors, bien sûr, ce matin, ce n'est pas tout à fait la logique, mais c'est le démarrage de la partie informationnelle, je dirais, du module. Mais vous aurez des activités de groupe, et ça aussi, c'est fondamental. Enfin, le travail en groupe, c'est stimuler aussi et vous donner la possibilité d'agir, d'imaginer et de créer pour trouver des solutions ou résoudre des problématiques nouvelles avec des approches elles-mêmes original. Donc c'est un petit module en volume horaire dans votre formation, mais ça doit être un module fondateur dans le sens où il doit donner du lien entre les différents aspects de vos formations et vous connecter aussi beaucoup aux grands enjeux sociétaux actuels, de manière à ce que demain vous soyez des acteurs conscients et actifs positivement face à ces enjeux-là. Voilà, merci pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Je me présente rapidement avant de laisser la parole à ma collègue qui débutera. Donc moi, je suis Catherine Catin. Je suis responsable des outils de la transition pour l'Université de Cergy. C'est notamment moi qui organise la rentrée climat et j'anime différents ateliers type fresque du climat, vous le connaissez, mais aussi la biodiversité, le numérique,
qui permettent de sensibiliser avec d'autres outils sur ces enjeux-là. Voilà. Et donc, en deux phrases, je me présente également, même si ça a déjà été fait. Roselyne Descourénier, je suis professeure de physique. Et donc, j'ai été enseignante à l'IUT Génie biologique à Saint-Martin. Et maintenant, je suis enseignante à l'ENSEA, donc École d'ingénieurs en électronique. Et je suis responsable, je suis chargée de mission transition écologique au sein de l'École d'ingénieurs. Donc, à ce titre, je travaille aussi avec CY sur les questions de transition. Alors aujourd'hui, on est là toutes les deux pour vous parler de l'empreinte de l'humain sur le système Terre, parce que, pour diverses raisons, ce sujet intéresse de plus en plus de personnes, et donc on voudrait vous présenter les raisons pour lesquelles ce sujet est de plus en plus présent dans notre quotidien. Et normalement, tu te réveilles. Bah non. Alors, tout à l'heure, il était réveillé. Mais pas là. C'est dommage. Ben alors, il répond plus. Bon, bah tant pis, on va faire ça comme ça. Bien. Mes excuses pour ce petit couac de départ qui n'était pas un couac il y a une demi-heure. Voilà, donc cette conférence est la première d'un cycle intitulé « Design a Sustainable Future ». Et donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire de concevoir un avenir soutenable ? C'est soutenable par rapport à quoi, déjà ? Toujours définir les termes. En science, c'est une base commune pour pouvoir avancer et se comprendre. Il faut partir sur des termes communs, donc il faut les avoir définis avant de réfléchir. Donc cette conférence, elle a pour but de poser une description de l'état actuel du système Terre en termes de changement climatique et plus largement en termes de limites planétaires. Et puis on va définir plus globalement la notion d'empreinte écologique, en l'occurrence de l'espèce humaine, sur notre environnement. Est-ce que jusque-là, ça va ? Bien. Alors, parlons du système Terre. Donc là, je vous ai mis une petite illustration d'un truc qui ressemble à une planète, la nôtre, la Terre, avec des ordres de grandeur qui ne sont pas tout à fait respectés, puisque sinon, on ne comprendrait pas le schéma. Et donc, vous avez la structure interne de la Terre, avec le noyau, le manteau, de manière très... très très simpliste, et puis juste à côté, juste au bord, vous avez la croûte terrestre et puis vous avez l'atmosphère. Et ce qui nous intéresse en fait ici, c'est le petit bout qui est sur le côté, donc ce qui est juste là. En termes d'ordre de grandeur, le rayon de la Terre, c'est 6 400 km. La croûte terrestre, quand c'est continental, c'est autour de 35 km d'épaisseur. Et disons, en première approximation, que l'atmosphère, c'est à peu près 100 km d'épaisseur. Grosse approximation, mais c'est histoire de se donner un peu des idées de ce dont on parle. Et ce dont on parle reçoit de l'énergie du Soleil. Ça, c'est le premier élément qui apporte de l'énergie à notre environnement proche. Le deuxième élément qui apporte de l'énergie à notre environnement proche, c'est la chaleur interne de la Terre, issue des désintégrations radioactives des différents matériaux qui sont présents depuis la formation de la planète. Et c'est tout. Voilà. Toute l'énergie dont on dispose autour de nous est issue de ces deux sources-là. En particulier, tout ce qu'on utilise au quotidien découle de ces deux sources. Alors c'est un petit peu rigolo, petite parenthèse, parce que la chaleur interne de la Terre, elle est issue de désintégrations radioactives, donc c'est de l'énergie nucléaire à la base. Et puis le rayonnement du Soleil, c'est issu de réactions thermonucléaires au cœur de l'étoile Soleil. Donc c'est un petit peu de la radioactivité aussi. Donc finalement, s'il n'y avait pas de radioactivité, on ne serait pas là pour en parler. Donc ça n'est pas que un problème, c'est aussi un élément fondamental et essentiel. Bonjour. Je crois qu'il faut émarger avant de t'installer. En termes d'ordre de grandeur, toujours... Vous avez un autre schéma ici qui vous présente cette fois-ci la surface de la Terre comme un plan sous nos pieds.
En termes d'ordre de grandeur, donc, la quantité d'énergie qui nous vient du rayonnement solaire est 10 000 fois plus importante que la quantité d'énergie qui nous vient de dessous nos pieds. Autrement dit, toujours en première approximation, on va pouvoir négliger la chaleur interne de la Terre et ne s'intéresser, dans le bilan énergétique de la planète, qu'au rayonnement solaire comme source de, principale d'énergie. La quantité d'énergie qui nous parvient, donc on va plutôt parler en flux parce que c'est par seconde, hein, c'est en moyenne 340 watts par mètre carré de surface terrestre. Ça, c'est une valeur qui est publiée dans un rapport version 5 du GIEC en 2014. Et donc, le truc, c'est que l'énergie disponible dont on vous parle en cours tout le temps et dont on parle aux infos, tout ça, c'est pas de l'énergie nucléaire, principalement. C'est de l'énergie qui s'appelle autrement. C'est pas comme ça qu'on la trouve dans la nature, et même si elle est d'origine nucléaire dans le Soleil ou dans le cœur de la Terre, on va l'exploiter différemment. Donc on va se demander ce qui se passe quand le rayonnement solaire arrive sur le système Terre. Voilà, petit dessin, normalement, ça y est, vous êtes des générations où on vous a expliqué ça 1000 fois depuis l'école primaire, mais je reviens juste extrêmement vite. Le rayonnement du Soleil arrive par le haut de l'atmosphère au niveau de la Terre, bien sûr. Une partie est directement réfléchie vers l'espace, une autre partie rentre dans l'atmosphère. Ça aurait été bien qu'ils répondent. Ah, ça y est, bon. Et donc de l'énergie rentre dans le système Terre. Le système Terre ne peut pas accumuler de l'énergie à l'infini, ce n'est pas possible. Donc il réémet de l'énergie sous forme de... Alors là, c'est écrit chaleur, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'infrarouge, c'est-à-dire qu'il ne réémet pas dans la même partie du spectre électromagnétique. Et le truc, c'est que l'atmosphère, elle est transparente dans la partie visible du spectre, qui est l'essentiel de l'énergie émise par le Soleil, mais elle est partiellement opaque aux infrarouges émis par la Terre. Du coup, la lumière, elle arrive à rentrer comme ça, mais quand elle veut ressortir, il se passe autre chose. Et il se passe autre chose parce qu'il y a des gaz dits à effet de serre dans l'atmosphère. Vous voyez là, le CO2, dioxyde de carbone, CH4, méthane, N2O, protoxyde d'azote. Ces gaz empêchent une partie du rayonnement infrarouge de ressortir vers l'espace et maintiennent cette énergie dans le système Terre. Alors, cet effet de serre, là, ce phénomène qui fait qu'il y a une partie de l'énergie qui reste dans le système, on est bien content qu'il existe. L'effet de serre naturel est absolument essentiel pour le développement de la vie sur Terre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne à la surface de la planète, ce serait à peu près moins 18 degrés Celsius. Et ça, c'est très embêtant, parce qu'à moins 18 degrés Celsius, à la pression atmosphérique, l'eau n'est pas liquide. Elle est solide. Et ben, la vie telle qu'on la connaît se développe dans de l'eau liquide. Donc l'effet de serre naturel, il se trouve qu'il fait que la température moyenne globale à la surface de la Terre est autour de plus 15 degrés Celsius. Et là, on est bien content, parce que c'est une température à laquelle l'eau est liquide. Donc l'effet de serre, c'est un peu comme le nucléaire, c'est pas mal en soi. C'est pas bien en soi non plus, c'est juste s'il n'était pas là, on serait pas là pour en parler. Le seul petit problème, c'est que nos activités humaines, ici représentées par l'industrie, le transport, l'agriculture, a rajouté une quantité dont on parlera après, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc on a renforcé cet effet de on retient une partie de l'énergie dans le système Terre. Donc les déplacements en voiture, en avion, ça fonctionne au pétrole, la production d'électricité avec les centrales qui sont à charbon, à fuel, à gaz, le chauffage central des bâtiments qui fonctionnent aussi à fuel, à gaz, et puis l'agriculture avec les ruminants qui émettent du méthane, CH4, et avec les engrais qui, en se décomposant, émettent du protoxyde d'azote. Tout ça, ça augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ça rajoute une composante dite anthropique, A-N-T-H-R-O-P, de anthropos, l'homme, dans la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. Coucou, voilà. La question, c'est combien ça va faire en température après entrée ?
Ou pas. Merci. Alors, avant de revenir aux conséquences de ce changement de quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je voudrais vous parler un peu des énergies, puisque j'ai dit que c'était les activités humaines qui ont fait ce changement. Donc, c'est quoi les consommations d'énergie des êtres humains pour leurs activités actuellement dans le monde ? Donc là, vous avez un diagramme en consommation mondiale d'énergie primaire en 2021. Donc vous voyez qu'on n'a pas tellement de réactions thermonucléaires dans le Soleil ou de chaleur interne de la Terre là-dedans. Vous avez des énergies dites primaires, donc que l'on trouve directement dans notre environnement, dans la nature, sur Terre. Et parmi toutes ces énergies primaires, là, vous avez ces trois-là, qui sont des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel. Faites attention avec le terme naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est propre ou pas propre, c'est juste qu'il est présent dans la nature. Et en termes de proportion, vous voyez que c'est quand même la très grande majorité des énergies consommées actuellement. 82% du mix énergétique mondial, c'est des énergies fossiles. Ensuite, vous avez le reste qui est ce que l'on appelle des énergies bas carbone, dont fait partie le nucléaire, mais dont évidemment font partie les énergies renouvelables. Et ça représente le reste, donc à peu près 18% du mix énergétique mondial en 2021. Le total fait environ 10 puissance 20 joules par an pour tout le monde. Vous remarquerez que l'électricité ne fait pas partie des éléments qui sont présentés ici, parce que l'électricité n'est pas une énergie primaire, on la trouve pas directement dans la nature, tout comme l'hydrogène, qui, sauf très très petite exception, n'est pas disponible directement dans la nature. Il faut d'abord le fabriquer. Donc je rappelle que la raison pour laquelle les trois premiers s'appellent des énergies fossiles, c'est parce que c'est issu de vivants anciens. Donc c'est des animaux et des végétaux, enfin c'est des êtres vivants d'il y a longtemps, qui sont morts, dont la matière organique s'est décomposée dans des circonstances physico-chimiques très particulières et qui ont donné des poches de gaz ou de pétrole ou des couches de charbon dans le sol. Et ça, c'était pas tellement un problème tant que ça restait dans le sol. Le carbone étant piégé dans le sol, c'était pas un souci. Le problème, c'est qu'on l'a sorti du sol et qu'on en a fait une combustion. Et la combustion d'une molécule organique avec le dioxygène de l'air, ça produit du CO2 et de l'eau. Quand la combustion est complète, éventuellement, ça produit d'autres petites choses quand la combustion est imparfaite. Alors, cette quantité que je vous ai montrée en photographie à un instant donné pour le monde entier est intéressante pour voir la répartition, mais elle ne nous donne pas l'histoire. Cette courbe-ci vous raconte l'histoire de notre consommation d'énergie. On démarre à peu près à 1800 et on arrive en 2022. Et donc vous voyez que cette courbe de consommation d'énergie mondiale totale croît. Et elle croît avec une courbe qui ressemble beaucoup à une exponentielle. Alors cette fois-ci, l'énergie en ordonnée, elle est mise en terawatt-heure, mais c'est une unité d'énergie. Juste pour info, le water, c'est 3600 joules. Si vous voulez faire la conversion et vérifier que les unités sont bien les bonnes et les quantités sont bien les bonnes par rapport à la diapo d'avant. Alors, premier élément sur cette courbe, vous constaterez que jusqu'ici, nous n'avons jamais vécu de transition énergétique. On n'a jamais remplacé une source d'énergie par une autre. On a juste additionné des sources d'énergie les unes aux autres. Vous remarquerez aussi qu'il existe une période pendant laquelle les activités humaines reposaient uniquement sur les énergies renouvelables. Donc là, en termes de couleurs, vous les avez ici, les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et donc, l'époque où on utilisait uniquement les énergies pas fossiles, c'est là. Merci. Donc, avant 1850, on utilisait du 100% énergie renouvelable. Donc, si on me pose la question, est-ce qu'on peut vivre avec 100% d'énergie renouvelable ? J'ai un élément de réponse, qui n'est probablement pas le seul, mais c'en est un. Oui, tel qu'on le vivait avant 1850, c'était du 100% renouvelable. Bon, alors, ça faisait quand même 800 millions d'êtres humains sur la Terre, pas tout à fait la même quantité que maintenant, avec une espérance de vie à la naissance d'environ 30 ans,
et pour les femmes, une probabilité de mourir en couche d'à peu près 50%. Après, vous allez me dire, cette courbe croissante, c'est normal, c'est lié à la croissance démographique, du coup, vu qu'on n'était que 800 millions d'êtres humains avant 1850. Alors, pas seulement, et pour voir ça, on va ramener cette courbe à la consommation par être humain sur Terre. Voilà, c'est toujours croissant, hein. C'est plus exponentiel, mais c'est toujours croissant. On a toujours, avant 1850, à peu près que de la biomasse, et puis on a la quantité de 1, 2, 3 fossiles, toujours majoritaire à l'heure actuelle. On a encore changé d'unité en ordonnée, mes excuses, hein, mais j'ai pris des courbes officielles, donc j'ai pris dans les unités qui étaient présentées. Là, c'est des tonnes équivalent pétrole, qui est toujours une unité d'énergie. Alors, est-ce que cette consommation, c'est beaucoup ou pas beaucoup ? C'est toujours difficile de l'imaginer là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer à ce que peut produire un être humain pendant sa journée de travail. Donc, vous imaginez quelqu'un qui creuse et qui déplace de la terre pendant sa journée de travail, hein, pas 24 heures sur 24, parce qu'il faut quand même qu'il se repose, qu'il dorme, qu'il mange. Et en ordre de grandeur, on arrive à 100 kWh développés par humain. Excusez-moi, voilà, il arrive là. À peu près 100 kWh développés par être humain et par jour. Et là, si je regarde la quantité d'énergie qui est consommée par être humain actuellement, on est à 20 000 kWh. Autrement dit, nous disposons tous et toutes, moi incluse, d'à peu près 200 esclaves énergétiques qu'on trimballe dans notre poche, dans notre sac à dos, où vous voulez, chacun, pour chaque être humain, sur toute la planète. Donc on est tous des grands seigneurs, en fait, avec une cour autour de nous, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Donc évidemment, cette évolution énergétique, elle a révolutionné nos modes de vie sur énormément d'aspects. D'abord au niveau du monde occidental, et cette révolution a eu tendance à se propager à peu près sur le reste du monde. Donc par exemple, pour nous déplacer, on est passé de ça à ça, avec du pétrole. S'il n'y avait pas eu de pétrole, on en serait toujours à la charrue avec les bœufs. Pour produire de quoi nous nourrir, on en était là, à l'ère pré-industrielle, avant 1850, on en est là. Pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Pour modifier les matières premières dont on dispose autour de nous, là en l'occurrence vous avez une presse, vous avez un moulin qui fait de la farine en utilisant l'eau qui circule dans la rivière. Ça c'est ce dont on disposait très couramment, entre guillemets, à l'ère pré-industrielle, donc des moulins à eau ou des moulins à vent. Maintenant, les presses, elles ressemblent à ça. Je vous laisse 30 secondes pour voir un peu de quoi il s'agit, tellement c'est bizarre comme photographie. Donc ça, c'est un très grand hangar avec des énormes machines de plusieurs étages qui servent à compresser, déformer, couper les matières premières dont on dispose. Ça, c'est ce qu'on appelle des presses industrielles. De la même manière, si on n'avait pas de pétrole, de gaz et de charbon, on ne ferait pas ça. Pour se déplacer, pour naviguer, pour commercer avec les autres continents à travers les mers, on avait de magnifiques voiliers. Maintenant, on a de magnifiques porte-conteneurs qui ne portent pas la même quantité d'êtres humains ou de matière, évidemment, hein, mais toujours au pétrole. Un petit dernier pour la route. Pour creuser la terre, on avait des pelles et des pioches, et on a cette magnifique chose qui permet d'arracher la roche au sol pour trouver du charbon ou des minerais. Là, en l'occurrence, vous avez la machine la plus grande qui existe sur Terre dans une mine en Allemagne. Donc, pour vous donner un petit ordre de grandeur, là, vous avez deux êtres humains. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, on voit la taille du truc. Donc, des exemples comme celui-là, je pourrais vous en montrer plein. On n'a pas le temps, on n'a qu'une heure. Je vous montre juste celui-ci, à propos de la médecine. Parce que la médecine à l'ère pré-industrielle et la médecine maintenant, c'est quand même pas tout à fait pareil. Globalement, on en était à l'époque où on pensait que la saignée, c'était utile, à peu près toutes les circonstances, d'ailleurs. Maintenant, on est capable de faire des tomographies électron-positron et d'aller voir à l'intérieur du cerveau sans avoir à découper, ce qui est plus confortable, et ce qui permet de soigner les cancers.
Donc, je ne suis pas en train de vous dire que l'évolution de nos modes de vie est nulle et à jeter en bloc. Au contraire, je suis en train de décrire le fait que nos révolutions de mode de vie font que nous ne vivons pas comme avant. Et il y a aussi des choses positives dans nos évolutions des modes de vie. À noter aussi que l'arrivée des énergies fossiles a permis de renoncer à l'esclavagisme, ce qui, d'un point de vue très personnel, me semble une bonne chose. C'est-à-dire qu'avoir du pétrole, ça évite de demander à des êtres humains de nous servir de 200 esclaves énergétiques. On a le pétrole qui fait ça sans contrainte. En tout cas, sans contrainte sur des êtres humains, en direct. On en reparlera. Bien. Alors, donc cette énergie fossile que l'on a utilisée en masse, elle a permis des évolutions dans toutes les facettes de nos modes de vie. Mais, comme je le disais juste avant, consommer des énergies fossiles, c'est faire la combustion de molécules organiques et donc produire du CO2. Et ce CO2, il faut bien qu'il se retrouve quelque part. Donc, voici trois courbes qui vous présentent la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère à plusieurs échelles. Donc, ici, vous l'avez depuis 1850. Ça monte. De manière non négligeable. On part de 290 et là, on est à 380, 400, par là, en 2010. Avec une pente, comme on vous le montre ici, de plus en plus élevée. Après, vous l'avez depuis moins 800 000. Histoire de vous montrer que y a des cycles naturels de hausse et de baisse. Et puis, nous, on est là. Le trait pointillé bleu, là, c'est la valeur actuelle. Donc, on est à largement plus que tout ce que la Terre a connu depuis au moins 800 000 ans. Et puis là, vous avez une évolution en zoom depuis 1960, donc beaucoup plus proche, pour vous montrer qu'en fait, la hausse, elle n'est pas régulière. Enfin, si, elle est régulière en moyenne. Mais tous les ans, il y a des petites fluctuations qui sont liées à la consommation par la végétation. Les continents dans l'hémisphère nord contiennent plus de végétation que les continents dans l'hémisphère sud. Donc, l'atmosphère, le système Terre, en tout cas dans sa globalité, absorbe plus de CO2 au printemps de l'hémisphère nord qu'au printemps de l'hémisphère sud. Donc, malgré ces petites fluctuations saisonnières, ça monte inexorablement tous les ans. À noter également que moins de la moitié du carbone qui est émis par les activités humaines se retrouve dans l'atmosphère. Le reste est stocké dans les sols, les forêts, la biomasse et dans les océans. Normalement, vous l'avez fait la frescule du climat du coup à la rentrée ? Non ? D'accord. Donc je ne fais pas référence à la fresque du climat. La valeur actuelle en 2023 de la quantité atmosphérique de CO2 dans l'atmosphère, c'est 424 parties par million. Donc pour un million de molécules dans l'air, vous avez 424 molécules qui sont du CO2. Alors je voudrais vous montrer un autre ensemble de courbes qui, cette fois-ci, viennent du dernier rapport du GIEC, publié en 2021-2022, et ça présente l'évolution de la température moyenne globale sur les 2000 dernières années, à gauche, avec un petit zoom sur l'ère industrielle depuis 1850, à droite. Alors qu'est-ce qu'on voit ? C'est une courbe en température. On y voit d'abord que la température est extrêmement stable sur les 2000 dernières années, premier élément. Que, deuxième élément, elle a commencé à augmenter notablement vers 1950. Et que nous sommes actuellement à peu près à plus 1,1. Où est-ce que je l'ai mis ? Non, je ne l'ai pas mis. Il est là. Hop, actuellement, là, observez, c'est la courbe noire. On est à un peu plus que plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, 1 degré Celsius. Et le GIEC, en tout cas les équipes de chercheurs dont le GIEC a repris les résultats, ont cherché à modéliser cette évolution de la température moyenne globale en prenant en compte un certain nombre de paramètres différents. Là, vous avez en vert la modélisation qui ne tient compte que des paramètres naturels, y compris l'évolution du soleil et le volcanisme. Et vous avez en orange la simulation qui contient les paramètres naturels et les effets anthropiques, donc des activités humaines.
Et donc, comme je vous le disais, en noir, la courbe réelle observée. Bon, eh ben, voilà, on est largement en dehors de la gamme phénomène naturel uniquement. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On arrive à une conclusion sans équivoque. J'insiste sur le sans équivoque parce que en science, c'est quand même extrêmement rare d'affirmer des choses sans équivoque. Donc la conclusion sans équivoque, c'est que les activités humaines sont responsables du changement climatique, du changement de température moyenne globale, en l'occurrence sur ce graphique-là, avec toutes les conséquences associées à ce changement de température moyenne globale. Donc ça n'est pas probablement responsable, ça n'est pas partiellement responsable, c'est responsable. Donc on va débunker un tout petit peu tout ce que vous pouvez entendre au quotidien, aux infos ou ailleurs. C'est clair, net, scientifiquement établi. Voilà, il est là, le plus 1,1, il s'était sauvé. Ce que nous dit également le sixième rapport du GIEC, c'est que les changements sont généralisés, ils sont rapides et qu'ils s'intensifient. Donc, je vous donne quelques exemples. Augmentation de la température de surface des océans, montée du niveau des océans, fonte des calottes et du permafrost, perturbation du cycle de l'eau. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais si vous avez la moindre question sur le vocabulaire ou sur autre chose, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Par exemple, peut-être permafrost, ça ne vous parle pas. C'est ça la question ? Alors, le permafrost, en français, pergélisol, c'est le sol gelé en permanence. Donc, par exemple, le sol au nord de la Sibérie ou au sommet des Alpes, en tout cas, il y a des zones sur Terre où le sol est gelé en permanence, mais compte tenu du fait que la température moyenne globale de la planète monte, ce sol qui était gelé en permanence se retrouve à ne plus être gelé en permanence. Donc, il a des moments dans l'année où il n'est plus gelé. Or, la glace, ça fait colle, donc ça rigidifie le sol, et ça étanchéifie le sol. Donc, quand la glace n'est plus glace, mais eau liquide, vous avez des poches de gaz qui étaient piégées en dessous, qui ne sont plus piégées et qui peuvent s'échapper, notamment des poches de méthane en Sibérie ou ailleurs. Et puis, en montagne, ben, la colle n'est plus là, donc les cailloux tombent. Donc, vous avez des avalanches de roches un peu partout et de plus en plus fréquentes en montagne. Ça, c'est plus clair ? On a répondu à ta question ? Yes. Ces changements sont sans précédent. Donc là, vous avez un certain nombre d'ordres de grandeur. La vitesse à laquelle le niveau des océans monte est inconnue depuis au moins 3000 ans. L'augmentation de la température de surface des océans, elle est la plus rapide depuis 11 000 ans. L'acidification des océans est inhabituelle depuis au moins 2 millions d'années. Je ne vous les lis pas tous, mais c'est un peu le même principe pour tous les paramètres qui sont présentés là. Donc les gens qui vous disent à la télé « Oh, c'est normal, c'est l'été », n'ont absolument pas compris l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire à cette planète. Ça n'est pas normal. C'est pas juste « c'est l'été, il fait chaud ». Je vous montre... parce que vous entendrez aussi sûrement dire que le climat était plus chaud dans l'histoire de la planète. C'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Pas de problème. Mais, tout ce qui est important est après le mai, voici la température moyenne globale de la planète sur les 500 derniers millions d'années. Alors, vous avez plusieurs couleurs parce que les techniques sont différentes selon l'âge de la planète auquel on s'intéresse. Et donc, effectivement, nous, on est là. Hein. Ça, c'est le présent. La température a été très stable sur plus que 2000 ans, en fait, sur presque 20 000 ans. Et donc, vous avez des périodes où il a fait beaucoup plus froid, des périodes où il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Oui, mais on n'était pas là. Déjà, première chose. Et la question, en fait, n'est pas de savoir si la planète va s'en sortir. La planète, elle ira très bien. Et peut-être même que la vie ira très bien. À chaque fois qu'il y a eu des extinctions massives, la vie s'en est sortie sous d'autres formes et elle s'est redéveloppée et a réexploité tous les espaces de vie possibles sur la planète. On ne s'inquiète pas tellement là-dessus. Ce pourquoi on s'inquiète, c'est la survie de l'espèce humaine, très égoïstement, et donc de la survie des espèces dont nous, nous dépendons. En fait, le problème de maintenant... C'est pas tellement l'augmentation de température, c'est la vitesse à laquelle cette température augmente. Je vous montre.
ou je commence par vous donner une analogie. Vous avez un camion qui roule à 100 km par heure sur l'autoroute. Il a besoin de s'arrêter. Il s'arrête sur une aire, il ralentit tranquillou. Pas de problème. Par contre, il percute un mur à 100 km par heure. À la fin, il est à 0 km par heure, tout pareil que s'il était arrêté sur l'autoroute. Mais ça n'a quand même pas tout à fait les mêmes conséquences. Je pense que c'est plus agréable de freiner que de percuter un mur. Ça a moins de conséquences néfastes. Donc là, si je reprends cette courbe, et je vais reprendre les moments de l'histoire de la Terre où les évolutions ont été les plus rapides, pour comparer à l'évolution actuelle. Donc vous avez un premier moment critique, qui est là le passage du Paléocène à l'Éocène, où l'évolution de température moyenne globale était d'environ 0,5 degrés Celsius pour 1000 ans. Ensuite, vous avez un autre moment, par ici, au dernier minimum glaciaire, dont je reparlerai juste après, où l'évolution est de 0,9 degrés Celsius pour 1000 ans, donc deux fois plus à peu près, 1 degré pour 1000 ans. Et ce que nous vivons maintenant, donc l'ère industrielle, c'est 1 degré Celsius par 100 ans. Je vous laisse vous imprégner de cette valeur. En sachant qu'on a déjà fait 1 degré Celsius, on est à plus 1,2 depuis l'ère pré-industrielle, mais on s'attend à atteindre plus 3, plus 4, peut-être plus encore, d'ici la fin de ce siècle. Donc, ce que l'on vit actuellement, c'est plus que 10 fois plus rapide que l'évolution la plus rapide dans l'histoire de la planète. Donc, qu'est-ce que ça va faire sur nous ? Je ne peux pas vraiment vous le dire. Par contre, pour l'ampleur de l'évolution, ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'il y a eu avant. Donc, par exemple, la différence entre maintenant et le dernier minimum glaciaire. Donc, il y a moins 4 degrés Celsius au dernier minimum glaciaire par rapport à maintenant. À quoi ressemblait la planète quand on avait 4 degrés de moins en moyenne globale ? Eh bien, la planète ressemblait à ça. Voilà, vous avez une petite planète là-haut, avec un petit zoom sur les Alpes et sur l'Europe. Donc, vous avez un Inland 6 européen qui couvre toute la péninsule scandinave. Un Inland 6, c'est un continent de glace. Tout ça, c'est un continent de glace. Ça recouvre aussi la Baltique, l'Écosse, le nord de l'Angleterre, l'Irlande. Vous avez ici le Groenland qui est rattaché à l'Amérique du Nord. Vous avez le Canada qui est complètement recouvert de glace. Vous avez les glaciers des Alpes qui vont jusqu'à Lyon en continu. Vous avez une continuité entre les îles britanniques, qui ne sont pas des îles, et la France. Vous avez juste un petit fleuve qui s'appelle la Manche, qu'on peut traverser quasiment à pied. Et puis vous avez une continuité entre l'Amérique et la Russie aussi de l'autre côté. Le petit trait en rouge, c'est la limite du pergélisol. Donc ça veut dire qu'au nord de ce trait, le sol est gelé en permanence. Donc quasiment toute la France hexagonale est gelée en permanence. Le sol en tout cas. Donc évidemment, les écosystèmes, c'est pas tout à fait les mêmes, hein. Les écosystèmes qui sont représentés en jaune en bas, là, derrière moi, c'est de la toundra et de la steppe. Donc c'est ce qu'on trouve actuellement au nord de la Sibérie. Et sur le sol français, ce type d'écosystème, il permet à peu près de faire vivre 100 000 personnes. Nous sommes 67 millions. Et petit ordre de grandeur encore, moins 4 degrés Celsius en moyenne sur la Terre, ça fait, au niveau de la France hexagonale, environ 12 degrés de moins l'après-midi en été et environ 20 degrés de moins l'après-midi en hiver. Donc c'est ça, la différence de climat entre maintenant et moins 4 degrés. Donc, je rappelle, nos modèles climatiques actuels prévoient entre plus 2,5 et plus 4 dans les modèles à peu près optimistes d'ici la fin de ce siècle. Donc c'est beaucoup. On ne va pas revenir à ce niveau-là, hein, puisqu'on part plutôt dans l'autre sens. Là, c'est plus froid, ce que je vous décris. Nous, on part vers du plus chaud. Mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de l'amplitude des changements climatiques qui sont susceptibles d'arriver. Et je laisse la parole à Catherine. Voilà, donc on va voir la suite. Donc,
Voici ce qu'on appelle la grande accélération. Donc, on l'a vu depuis environ 1850, c'est-à-dire l'ère pré-industrielle. Nos modes de vie occidentaux ont radicalement changé grâce à l'utilisation notamment des énergies fossiles. Et donc, on a là la consommation d'énergie primaire qu'on a vue avant. Donc, ces courbes, elles ont été réalisées par un programme de recherche internationale du Stockholm Resilience Center. Et donc, on a le développement socio-économique avec la consommation d'énergie primaire. On a aussi, du coup, la consommation des engrais, la consommation de transport, enfin bref, la population totale. Tous ces vecteurs ont augmenté en courbe exponentielle. Et évidemment, le système Terre réagit à ces augmentations-là. Donc, à droite, on a la pression, voilà, la réponse du système Terre à ces pressions. On retrouve la hausse de la quantité de CO2 que vous avez ici. Et du coup, en découle la température de surface. Mais aussi la hausse de la quantité de protoxyde d'azote, l'acidification des océans, qu'on voit ici, la pêche, ou la diminution de la forêt tropicale, etc., etc. Donc ça, c'est la réponse du système Terre. Dans un système Terre non fini, puisque, enfin, plutôt dans un système Terre fini, cette croissance exponentielle, elle ne peut pas durer éternellement. On n'a pas 10 terres à disposition. On en a juste une. Donc, avant... Là, on va parler des frontières planétaires. Avant cela, je vais vous introduire le principe des systèmes d'équilibre. Et je vais vous prendre l'exemple de la slackline. Est-ce que vous en pratiquez ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la slackline, c'est simplement de marcher en équilibre sur une corde plus ou moins élastique tendue entre deux arbres ou deux rochers à une certaine hauteur du sol et qui permet d'expérimenter la notion d'équilibre. Donc, un système à l'équilibre n'est pas figé. On attend que ça charge, voilà. Donc, un système, c'est dynamique, on le voit, c'est toujours en mouvement. S'il y a des perturbations, le système va réagir pour retrouver son équilibre. Mais si les perturbations sont trop fréquentes ou trop intenses, alors le système va basculer vers un nouvel équilibre. Et donc, ensuite, il se stabilise dans un nouvel équilibre. Je reviens à ma diapo. Voilà. Oups. Non. Non, c'est bon. Donc, on a vu, on revient à l'équilibre. La question, ça va être, est-ce que cet équilibre est acceptable pour nous ou pas ? Est-ce qu'on pourra y vivre dans ce nouvel équilibre ou pas ? Donc, les activités humaines, elles menacent les équilibres naturels tels qu'ils existent depuis le début de l'Holocène. Et les chercheurs du Stockholm Resilience Center ont quantifié ces risques des perturbations humaines anthropiques qui font peser sur la planète. Et donc, pour quantifier ça, ils ont inventé le principe des limites planétaires. Les scientifiques ont défini 9 frontières pour les 9 grands processus impliqués dans le fonctionnement du système Terre. Donc, ces 9 frontières pour les 9 processus, ce sont le climat,
qu'on a vu précédemment, la biodiversité, le changement d'usage des sols et notamment la destruction des forêts, l'eau douce, l'acidification des cycles, donc vous les avez ici, l'acidification des océans, les cycles de l'azote et du phosphore, les pollutions chimiques, les aérosols et la couche d'ozone. Donc, ils sont tous là. Là, vous avez le changement climatique. Ici, la biosphère, le changement d'usage des sols et le cycle de l'eau qui est réparti entre l'eau bleue, qui est l'eau courante, c'est-à-dire celle des rivières, des fleuves, des lacs, des nappes phréatiques, et l'eau verte, qui est celle utilisée par les plantes, que ce soit les forêts, les cultures, etc. Donc la première publication des limites planétaires a été faite en 2009, et une première mise à jour a été faite en 2015, et là, vous avez la dernière qui date de septembre 2023, où on voit que 6 des limites planétaires sont dépassées. Donc celles qui sont dépassées, c'est le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, le changement d'usage des sols, le cycle de l'eau douce, les perturbations des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore qui dépendent notamment de l'agriculture intensive avec l'utilisation d'engrais et les pollutions chimiques qui sont notamment les produits toxiques, les plastiques, etc. Par rapport à la vidéo précédente de la slackline, les zones rouges, elles signifient que les équilibres d'origine sont de plus en plus perturbés par nos activités humaines. Ça veut dire que là, nos systèmes sont fortement perturbés, ça bouge davantage. On est encore dans le même équilibre, mais on bouge davantage parce que le système est fortement perturbé. Donc, une frontière qui est franchie, ça ne signifie pas que l'équilibre est rompu. Mais on entre dans une zone dangereuse où le système est fortement perturbé et menace de basculer. À noter deux éléments, c'est que la première chose, ces frontières, elles sont interconnectées et interdépendantes. C'est-à-dire qu'une action sur le changement climatique va avoir également des effets sur l'acidification des océans et la biodiversité. Par exemple. Et par ailleurs, c'est un indicateur qui est intéressant pour mesurer les impacts de nos activités sur l'environnement, mais c'est fatalement une analyse hyper anthropocentrée. C'est-à-dire qu'on voit les choses par rapport à nous, est-ce que ça va avoir comme impact sur nous, et pas sur le reste, par exemple, de la biosphère. Justement, on va s'intéresser à l'effondrement de la biodiversité qui est déjà en cours. Donc, dans les 6 limites planétaires, il y en a 2 qui sont considérées comme fondamentales, c'est le changement climatique et la biodiversité. Donc, elles sont toutes les 2 franchies et donc dans des systèmes fortement perturbés. On peut s'arrêter un instant sur le fait que l'érosion de la biodiversité, c'est l'un des paramètres de notre problème, c'est en fait une conséquence. Si on se place du point de vue de l'espèce humaine, on ne peut survivre que si elle détruit les autres formes de vie. Donc il faut bien comprendre que l'érosion de la biodiversité, c'est un doux euphémisme pour parler d'une mort massive d'individus, d'espèces et d'écosystèmes sur toute la planète. Donc le graphique que vous voyez ici montre l'indice planète vivante. C'est un indicateur de l'état de la biodiversité dans le monde. Ici, il va jusqu'en 2012. Il indique une baisse de 58% de la biodiversité. Donc j'ai cherché le graphique plus récent en 2020. À votre avis, on en est où? Pareil, pire ou mieux? Ouais. Bon, en fait, on a continué comme avant. Donc ça a empiré. Donc là, on a une baisse de 69% de la taille moyenne des populations de vertébrés.
Là, on mesure les populations de vertébrés, donc en moins depuis entre 1970 et 2020. Les effectifs de plus de 32 000 populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons ont chuté de 2/3. C'est énorme. C'est en Amérique latine que les populations d'espèces sauvages connaissent le plus fort déclin, avec une chute de 94%. Les populations des poissons, des crustacés d'eau douce baissent également fortement à 83%. Mais il faut bien noter qu'aucune région du monde n'est épargnée. Donc l'effondrement de la biodiversité, c'est quelques ordres de grandeur. Il est déjà en cours. Donc en quelques millénaires, on a perdu 2/3 des arbres. En quelques décennies, c'est 2/3 des poissons et des mammifères sauvages qui ont disparu. En quelques années, c'est 2/3 des insectes qui a disparu. Le rythme, comme on l'a vu précédemment, de disparition des espèces est de 1 000 à 100 000 fois plus supérieur à la moyenne des extinctions précédentes. Et donc là, actuellement, on est dans la 6e extinction de masse qui est en cours. Des scientifiques, ce qui nous mène en fait à l'empreinte écologique, qui vise à savoir, qui vise à répondre justement à la question, est-ce qu'on est en train de solliciter la nature au-delà de ses capacités de régénération? On a un peu la réponse, comme ça à vue de nez. À l'époque, elle a été imaginée. Elle était élaborée au début des années 90 par les chercheurs Mathis Wackelnagel et William Rees. Eux, ils voulaient un outil qui puisse aider les décideurs politiques pour permettre de visualiser justement l'impact et l'empreinte de nos activités humaines sur l'environnement. L'empreinte écologique, pour la définir, c'est simplement un indicateur synthétique de la soutenabilité écologique. Et elle va prendre en compte la biosphère. Donc la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des organismes vivants sur Terre, donc ce qui inclut le règne animal, végétal et les micro-organismes. Notre système économique compte en grande partie sur la biosphère pour fonctionner. Donc en amont, elle va nous fournir en énergie, en matière première, des plantations, les pâturages, des poissons, mais aussi le bois, toutes les fibres dont nous sommes habillés, que ce soit la laine, le coton, le lin, etc. Tout ça, c'est la biosphère qui nous le fournit. Et en aval, elle va nous aider à assimiler nos déchets. Donc, par exemple, elle va capter les forêts, la photosynthèse et les océans vont capter une partie du CO2 que nous émettons. Elle va aussi assimiler nos déchets, notamment grâce aux actions de certains champignons ou de bactéries. On appelle ces services rendus par la nature des services écosystémiques. Ils sont gratuits et ne sont pas pris en compte par notre système économique. Mais pourtant, sans ces services-là, nos activités économiques ne pourraient pas continuer à se développer à long terme, parce que simplement la biosphère serait endommagée et que du coup, soit elle ne pourrait plus capter ou détruire nos déchets, ou alors on n'aurait plus de quoi produire notre matière première. C'est cette inquiétude en fait qui est à la base des questions concernant la soutenabilité, parce que les scientifiques se sont dit ok, mais si on a besoin de la nature et des services
de la biosphère pour nos activités économiques, il faudrait quand même savoir si on peut le faire de façon durable, c'est-à-dire si les générations futures pourront bénéficier de la même chose que ce que nous avons actuellement. Et donc, est-ce que notre utilisation de la biosphère lui permet de se régénérer, c'est-à-dire de garantir la même chose au fur et à mesure de l'utilisation? Donc, l'empreinte écologique, elle va chercher à déterminer la quantité de services écosystémiques qui sont nécessaires, c'est la demande en nature, et puis la quantité de ces services à se régénérer, c'est l'offre de nature. Et donc, pour ça, chaque type de consommation et de production de déchets est évalué sous forme d'une surface mesurée en hectares, issue de la biosphère pour produire le service. Donc, par exemple, ici, il faut une certaine surface de pâturage, par exemple, pour produire chaque année une tonne de viande. Là, on aurait l'exemple du bœuf. Évidemment, si on a des bœufs qui sont élevés qui ne sortent pas, qui ne vont pas en pâturage, qui sont élevés de façon industrielle, on va avoir besoin d'une surface de champs qui seront cultivés spécialement pour eux, puis d'une autre surface pour que ces bêtes puissent vivre. C'est davantage, dans tous les cas, que la surface nécessaire à produire, par exemple, des légumes ou des céréales. Et donc, tout ça est mesuré en hectares. Pour les types de consommation et de production de déchets, ça va être évalué exactement en surface, en hectares, issu de la biosphère pour le service rendu. Et donc, cette empreinte écologique, elle comptabilise la production, la consommation par pays. Donc, l'empreinte, elle est attribuée au consommateur, peu importe où le bien a été produit. Pour les énergies, quand on par exemple, un barrage hydroélectrique, on va calculer la surface de terres agricoles ou de forêts qui vont être noyées pour calculer son empreinte. Et pour les énergies fossiles, comme les énergies sont sous terre et donc elles n'ont pas une empreinte proportionnelle, la solution qui a été trouvée par les scientifiques, c'est de calculer la quantité de biosphère qui va être nécessaire à assimiler les déchets, c'est-à-dire le CO2 ou le méthane, émis par la combustion. Et en l'occurrence, pour la combustion de pétrole ou de charbon ou de gaz, ce sera la quantité de forêt ou de photosynthèse ou d'océan qui sera nécessaire pour assimiler tout ça. Et donc, une fois ces calculs faits, on voit l'empreinte. Donc, ça, c'est pour 2003, mais l'humanité a déjà dépassé la capacité régénérative de la biosphère depuis 1987. Donc, en 2003, notre dépassement, il atteignait 25%. Donc, il nous fallait une terre plus un quart, grosso modo. Et ce qu'on voit, c'est que près de la moitié, 48% de l'empreinte écologique est l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone fait partie de l'empreinte écologique, mais elle n'en est qu'une partie. C'est ce qui est intéressant dans l'empreinte écologique, c'est qu'elle voit un peu plus large que l'empreinte carbone strictement. Pour 2022, donc, vu qu'on a continué, le dépassement, il représente 1,7 planètes. Il y en a à la fois plus d'humains sur Terre, mais on mobilise beaucoup plus de ressources. Et puis, évidemment, et donc là, l'empreinte carbone, elle est à 56%, donc on a également augmenté celle-ci. L'empreinte carbone, l'empreinte écologique, elle n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, en Inde, ici, on n'est pas tout à fait à une planète.
Les États-Unis tout au bout, on est à l'équivalent de 5 planètes. Et puis la France, on n'est pas tout à fait à 3 planètes. Donc selon où on vit et notre manière de vivre, on ne va pas utiliser les ressources de la même manière. Plus on utilise les ressources, plus notre empreinte est importante. Juste une petite parenthèse sur l'empreinte carbone. Est-ce que vous connaissez ce graphique ? Oui. Donc c'est un graphique de carbone 4, de l'empreinte carbone, moyenne française uniquement, donc qui est à 9,9 tonnes de CO2 équivalent par personne. Donc l'empreinte carbone fait partie de l'empreinte écologique. On voit qu'en France, ce qui pèse lourd dans la balance, si je puis dire, c'est les déplacements et notamment la voiture, l'utilisation de la voiture individuelle et l'alimentation et notamment la consommation de viande. C'est aussi parce que ce sont des modes qui vont avoir beaucoup d'impact, non seulement en production de déchets, mais également en termes de ressources utilisées pour les produire. L'importance et l'utilisation de ces graphiques, c'est de pouvoir savoir quelle activité... En fait, ça donne des ordres de grandeur sur quelle activité a le plus d'impact. Et donc, quand on veut agir, où est-ce qu'on peut agir avec le plus... pour avoir le plus d'efficacité. Les bilans carbone, ils peuvent se faire soit à notre niveau individuel, mais également au niveau d'une entreprise, parce que, pareil, on aura du coup et pareil, l'empreinte écologique se mesure également. Ça permet de savoir où est-ce que, dans quel domaine on va avoir le plus d'impact, et donc, si on veut agir pour réduire cet impact, où est-ce qu'il faut cibler les efforts ? Je rappelle les objectifs pour 2050, pour respecter les accords de Paris, c'est de baisser à 2 tonnes par personne pour la population mondiale. Donc ici, il faudrait réduire de 5, il faudrait diviser par 5, et ça permettrait de rester en dessous de 2 degrés en 2050 et en dessous de 1,5 degré en 2030. On a vu précédemment que ce n'est pas anodin, ces augmentations de température, c'est aussi la qualité de notre vie sur Terre qui est en jeu. Je ferme la parenthèse empreinte carbone. L'intérêt... De l'empreinte écologique, c'est que ça permet d'avoir une vision plus globale que la seule empreinte carbone. Donc ça permet de commencer de prendre en compte davantage les impacts des activités humaines sur la biosphère, sur la biodiversité, ce que l'empreinte carbone laisse complètement de côté. Et puis elle permet d'objectiver l'emprise de l'humain sur Terre en termes de surface, pour permettre de mieux se rendre compte de l'impact de nos activités économiques. Les limites, c'est que tout n'est pas pris en compte. Par exemple, les minerais ou une grande partie du cycle de l'eau ne sont pas pris en compte. Je vais prendre la suite de ma feuille. Ne sont pas pris en compte par l'empreinte écologique parce qu'elles ne se concentrent que sur la capacité de la photosynthèse à se régénérer. Donc tout ce qui n'utilise pas de photosynthèse, en gros, n'est pas pris en compte dans l'empreinte écologique. Par ailleurs, là aussi, on a une vision anthropocentrée. C'est qu'est-ce qui nous est utile pour nous, humains, à pouvoir continuer de vivre, sans se poser la question des autres êtres vivants sur Terre. Et c'est une vision très utilitariste de la biodiversité. Elle ne prend pas en compte la dégradation des écosystèmes. C'est-à-dire que si j'utilise un sol
Si j'ai de la pollution de sol, si j'ai une surexploitation de ressources comme de la surpêche ou de l'agriculture intensive et que ça se dégénère, cette dégénération, dégradation n'est pas prise en compte. Et donc, du coup, l'empreinte écologique a tendance à sous-estimer la demande en nature et donc l'emprise réelle. Pour terminer, sur une note un peu plus douce, nous ne savons pas ce que vous devez faire. Mais on a une petite idée de ce que vous pourriez éviter de faire. Et ce que vous pourriez éviter de faire, c'est reproduire les mêmes erreurs que celles de ma génération, celles de la génération de mes parents et de celles de mes grands-parents. Et pour cela, ça va être nécessaire de remettre en cause systématiquement tous les cadres qu'on vous a donnés comme évidents et non négociables. Ce sera à vous d'imaginer dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou privé, d'autres systèmes, d'autres échelles de valeurs, d'autres façons de penser. Et tant qu'à réinventer le monde, eh ben, mettons-y de la beauté et de la poésie. Donc, on va conclure sur ce petit hommage à Hubert Reeves, qui était un astrophysicien, vulgarisateur scientifique, écologiste de la première heure, qui nous a quittés récemment, et qui a montré la beauté de l'univers à énormément de générations d'enfants. Et il nous rappelle l'importance de s'émerveiller devant la beauté de la biodiversité et de notre planète. Et l'émerveillement, c'est le premier pas, je pense, pour pouvoir être en mesure de protéger ce que nous aimons et ce qui nous tient à cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Oui, bonjour. J'avais juste une question par rapport aux données que vous nous avez montrées. Vous les avez trouvées où ? C'est quoi les sources que vous utilisez ? Oui, alors les sources sont très diverses, mais scientifiquement validées par la communauté internationale. Donc il y a un certain nombre de choses qui viennent des rapports du GIEC. Vous avez des choses qui viennent du Stockholm Resilience Center. Vous avez ce petit livre qui s'appelle « L'empreinte écologique » écrit par Aurélien Bouteau et Natacha... Attends, je ne me souviens pas de son nom. Gondran, qui présentent le principe de l'empreinte écologique. Et donc, vous avez aussi les références scientifiques des articles à comité de lecture qui ont servi à l'établissement de cette notion. Après, vous avez des graphiques qui sont... vulgarisé par des gens à partir de sources scientifiques, donc à partir de résultats notamment du GIEC ou de l'IPBES pour la biodiversité. Donc vous avez vu passer Carbone 4, on a dû avoir des bons potes, on a dû avoir ce genre de choses, mais à chaque fois vous retrouvez les sources d'articles scientifiques qui vont avec. Pour la chute de la biodiversité, je me suis basée sur un visuel du VVF, du rapport 2018. Et puis pour l'autre, c'était l'indice Planète vivante, publié à l'IPBES. L'IPBES, il me semble. J'ai noté la source.
Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, c'est pareil, c'est un comité international de centaines de chercheurs. Peut-être qu'on peut repréciser le GIEC pour tout le monde, parce que je ne suis pas certaine. Faut-il réexpliquer ce qu'est le GIEC ? Oui, d'accord. Alors, le GIEC, groupe international d'experts sur le climat, est donc, comme son nom l'indique, un groupe intergouvernemental, international, qui regroupe des centaines de chercheurs de disciplines différentes. Donc, ça fait de la physique, de la climatologie, de la chimie, des géosciences, mais également des sciences sociales. Ils ne produisent pas de sciences. Ils sont là pour faire le point sur l'état de la science à un moment donné. Donc, ils vont chercher les articles à comité de lecture un peu partout dans le monde et ils établissent un consensus, donc un minimum commun qui fait consensus à l'échelle internationale. Et ce consensus, ce dénominateur commun, est publié dans ce qu'on appelle les rapports du GIEC. Donc, c'est publié à intervalles de temps réguliers. En 2021-2022 est sorti le sixième rapport du GIEC avec les éléments physiques, avec les, forcément, je veux dire les trois thèmes, donc je vais me louper, la façon dont on peut atténuer et s'adapter au changement climatique. Et j'ai pas le troisième. Et les risques, voilà, le deuxième, c'était les risques encourus avec le changement climatique. Voilà. Et donc l'IPBES fait la même chose, mais plutôt sur les aspects biodiversité. Et plus ça va, plus le GIEC et l'IPBES travaillent ensemble pour avoir une vision groupée. Je vais donner l'anecdote. Vous savez, le GIEC a été créé dans les années 80. Est-ce que vous savez quelles sont les deux puissances des années 80 qui ont demandé à la création de ce groupe Groupement intergouvernemental de scientifiques. Son opposé. Les États-Unis, et il avait sa grande copine. Donc c'était Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui sont à l'origine de cette demande. Donc quand on dit oui, le GIEC, c'est pas sérieux, ce sont ces deux présidents-là qui ont fait cette demande auprès de l'ONU pour la création du groupe du GIEC. Chacun avait ses raisons intérieures. Littéralement, pour cette organisation, cette demande-là. Margaret Thatcher était en train de fermer les mines de charbon et donc avait intérêt à ce que les scientifiques disent oui, le charbon c'est mal. Et Ronald Reagan, il était de plus en plus embêté par des écolos qui venaient lui parler de pluie acide et autre chose, et donc il cherchait à les décrédibiliser. Il n'a pas réussi. Alors, je reproduis la question pour l'enregistrement. Est-ce que la guerre impacte beaucoup l'environnement ? En termes d'ordre de grandeur, ça va dépendre de l'ordre de grandeur de la guerre. Là, on en a deux en ce moment qui nous préoccupent pas mal. Je peux répondre ? Prenons l'exemple de la guerre en Ukraine. Tu vas avoir un impact sur le fait que l'Ukraine était le grenier d'une partie du monde. Et donc, le fait que l'Ukraine cesse de produire du blé parce qu'ils ont des petites préoccupations quotidiennes un petit peu différentes ces derniers mois, pardon pour la trivialité du discours, hein, j'essaye d'être factuelle et de retirer un peu l'affect. Donc, le fait que leur priorité ne soit plus de produire du blé a des conséquences dramatiques, par exemple, dans pas mal de pays d'Afrique, qui subissent une famine importante suite à l'arrêt de la production de blé en Ukraine. Donc ça a des impacts à l'échelle mondiale, non négligeables. Après, en termes de changement climatique, c'était ça ta question. C'est compliqué de le mesurer parce qu'on a des paramètres mesurables qui sont à l'échelle globale. Et bon, instinctivement, tu produis plus d'engins de guerre, tu détruis des bâtiments,
Donc, bah, va falloir les reconstruire alors qu'ils allaient très bien, ces bâtiments. Donc, probablement que ça a un impact. Quelle est la part de cet impact? C'est difficile à comparer au lancement d'une fusée de 100 mètres de haut, quoi. J'ai donné un exemple totalement au hasard, bien sûr. Une intervention de Sarcelle, Aïda. Déjà, merci pour cette intervention instructive. Je souhaiterais que vous reveniez sur la notion de limite planétaire et son impact concret sur nos vies et la planète Terre. Ouais, alors là. L'impact concret, les limites planétaires, elles sont là, c'est une sorte de guide qui nous permet de savoir à peu près où on en est dans l'équilibre ou le déséquilibrage du système Terre. Donc l'impact qu'on a, on le ressent par rapport au changement climatique, par rapport à la perte de biodiversité qui va avoir un impact sur les productions alimentaires, par exemple, avec une des chutes. Maintenant, si le système entre dans un déséquilibre, c'est une période d'incertitude. On ne sait pas vers quoi on va aller. En fait, on ne sait pas on ne sait pas à quel moment ça va basculer, et on ne sait pas vers quoi ça va basculer, et on ne sait pas comment ça va changer nos modes de vie. Ni pour l'un. Alors oui, le changement climatique, on sait qu'on va avoir plus de températures extrêmes, plus d'événements extrêmes, donc ça va forcément avoir un impact. On aura des vagues de chaleur plus intenses, entre autres, je ne vais pas faire toute la liste. L'effondrement de la biodiversité, ça va avoir un impact direct dans la production alimentaire, notamment. Pour les cycles de l'azote et du phosphore, eh ben on le voit déjà, ce sont les marées vertes. Donc c'est des zones qui deviennent toxiques, où on ne peut plus aller, que ce soit en mer ou dans les rivières, ou le long des fleuves. Donc en fait, c'est une perte non seulement de qualité de vie et de bien-être, mais ça peut avoir un impact sur les productions industrielles, sur l'activité économique, c'est-à-dire que si je suis agriculteur et que j'ai plus assez, qu'il y a une énorme sécheresse à cause du changement climatique et que par ailleurs l'eau n'ayant pas pu se régénérer suffisamment, il en reste, mais sa qualité est dégradée et donc je ne peux pas l'utiliser. Du coup, je vais pas pouvoir produire. Simplement, mes champs ne donneront rien. Donc ça, c'est l'incidence directe pour l'agriculteur, pour celui qui produit. Pour nous, ça va avoir un effet où tout à coup, les prix vont augmenter. Il y a des choses où on va se dire, bah, tiens, le pain devient une denrée rare. Je n'achète plus qu'une fois par semaine. Voilà. Pour moi, ça se mesure comme ça, mais ça ne va pas être une bascule ou un effondrement généralisé, c'est pas la fin du monde. Un jour, on se réveille et puis le ciel est rouge ou je sais pas quoi. Tu veux compléter ? Je voulais compléter un peu sur la notion de résilience, en fait. Les limites planétaires, elles sont un outil intéressant dans le fait de ne pas s'intéresser que à la question du climat et du carbone. Pour voir aussi qu'il y a d'autres éléments qui sont à peu près aussi fondamentaux que le changement climatique, et on est dans un écosystème, enfin dans un système Terre où tout est relié et qui présente une forme de stabilité depuis 20 000 ans, donc une forme de résilience aux aléas. Donc c'était ce qu'on disait, vous êtes sur un équilibre, on bouge un peu de l'équilibre, hop, on revient au niveau de l'équilibre. Je vais reprendre un exemple de physicien. Vous imaginez une zone vallonnée et puis vous mettez une bille. Et puis vous regardez où elle finit. Bon, bah, très probablement, elle va finir au fond d'une cuvette. Et puis si vous mettez une petite pichenette à la bille, et bah, elle va revenir sur la cuvette. Si elle est dans une petite cuvette un peu en altitude, si vous mettez une petite pichenette, elle reste dans sa petite cuvette. Et puis si vous mettez une grande pichenette, elle passe une bosse et puis elle change d'endroit.
Donc c'est ça l'histoire des frontières, c'est est-ce qu'il y a un moment où on va se retrouver à partir vers un autre équilibre ? Tant qu'on met des petits aléas, enfin, tant qu'on met des petites modifications, des petites perturbations, le système résiste et tient. Si on met trop de perturbations, on va finir par avoir un système qui ne tient plus dans l'état d'équilibre du moment et va partir sur autre chose. Est-ce que c'est confortable pour nous, cette autre chose ? Là, typiquement, sur les 9 cycles, enfin, les 9 frontières planétaires, considérer qu'on en a 6 qui sont franchies, ça veut dire que là, quand même, on a atteint un niveau de perturbation sur beaucoup de phénomènes en même temps qui font qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers un autre équilibre ? C'est un peu comme une toile d'araignée. Vous défaites, la toile d'araignée, elle résiste au vent, à la rosée, tout ça. Vous avez un gros coup de vent, elle perd une ou deux attaches, elle tient toujours. Et puis, si vous avez un sanglier qui passe par là, bah, il éclate tout. Et puis, il n'y a plus de toile d'araignée, quoi. Il n'y a plus rien qui tient. Il y a un moment où vous avez défait tellement d'attaches que la structure ne tient plus dans son état d'équilibre initial. Évidemment, ça s'interconnecte. C'est-à-dire qu'on l'a vu avant, on a le changement climatique qui a des effets sur la biodiversité, qui a des effets sur le cycle de l'eau, les perturbations de cycle biochimique ont aussi des effets sur la biodiversité, et sur le changement, enfin bref, tout s'interconnecte. Ça marche. Donc j'avais une question plus d'actualité. Prochainement, la COP28 se déroulera à Dubaï, un petit peu l'épicentre de l'exploitation d'énergie fossile. Je voulais connaître votre avis par rapport à cette COP. Est-ce que c'est plus un coup de com' ou est-ce que ça a vraiment un impact et une réalisation d'objectifs ? Alors, premier élément, on n'est pas venu aujourd'hui pour donner des avis. Avis, expertise, voilà, on est venu pour vous apporter des éléments scientifiquement avérés. Après, ce que dit la communauté internationale sur ce sujet, donc tu remarqueras, je ne réponds pas à la question, c'est que, non mais je le sais, je l'assume, c'est que si on veut vraiment avoir un impact sur l'état de la planète, il faut parler à tout le monde. Et il faut que tout le monde bouge. Donc, on peut essayer de dépasser la dissonance cognitive de c'est Dubaï et c'est un émir qui organise la COP28, en se disant, on a quand même une plateforme rare où tout le monde se met autour de la table pour parler du même sujet et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, mon avis, c'est d'essayer de garder un tout petit peu d'optimisme et de voir le verre à moitié plein en disant, même si c'est un émir, un roi du pétrole qui organise la COP, c'est l'occasion de discuter aussi avec eux, et si eux ne bougent pas, ça va être compliqué de faire bouger tout le monde. Et moi, ça me fait penser à un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Chaleur humaine, que je vous recommande à tous, parce que c'est vraiment super bien. C'est Nabil Wakim qui le fait et qui traite des différents sujets liés au dérèglement climatique, mais que ce soit en termes de démocratie, en termes de transport, empreinte carbone, enfin, tout y passe. Et il avait discuté avec une des négociatrices pour la France lors de la COP26 à Paris. Non. 21, où les accords de Paris avaient été signés. Et elle raconte le cycle de négociations où, jusqu'à la dernière minute, ils se sont battus pour arracher cet accord de Paris. Et où, finalement, tout le monde, y compris les industriels, y compris les grands groupes, y compris les États-Unis, ont accepté de signer. Et donc, c'est hyper important que ces grandes manifestations et ces grandes plateformes
de rencontres internationales existent. Et les accords, peu importe, en fait, ils sont très importants parce qu'ils permettent de pouvoir agir. Ils permettent aussi à des citoyens de porter l'inaction et du coup des gouvernements, que ce soit des États ou des entreprises, devant la justice pour leur demander des comptes. Parce que s'il n'y avait rien à la base, on ne peut pas agir et on ne peut pas réclamer notre dû. Ça répond ? On a fait toutes les questions, ce serait une dernière intervention de M. Hébert. Allez-y, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la voiture électrique, elle a un vrai impact positif pour le développement ? Donc, en termes de CO2, si je ne pense qu'en termes de CO2, oui. Parce que en fait, l'empreinte majoritaire de la voiture thermique, c'est lors de son utilisation, où elle, à partir du moment où on va l'utiliser, elle va émettre du CO2 en continu. Et donc, c'est de là que vient son empreinte. Donc, on a l'empreinte de la fabrication de la voiture, puis ensuite l'empreinte de l'utilisation. La voiture électrique, lorsqu'elle est neuve, a une empreinte supérieure que la voiture thermique, parce que il y a tous les éléments liés à la composition de son moteur électrique. Ce n'en passant que ce sont les mêmes qui sont là-dedans et là-dedans. Parce qu'on parle toujours de la voiture électrique, c'est mal, mais en fait, il y a nos systèmes électriques. À partir du moment où la voiture électrique fonctionne, elle ne va quasiment plus émettre de CO2. En France, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne ou en Pologne, elle va en émettre, mais un peu moins que la voiture thermique. Pour les voitures, en fait, ce qui est vraiment important, c'est la taille. C'est-à-dire, plus le véhicule est gros, plus il va me falloir de matériaux, plus il a de poids, et plus il va avoir aussi de l'usage des sols sur la route. Donc, la première réflexion, c'est quels sont mes besoins et quelle est la taille réelle de mon véhicule. Si j'achète un gros SUV électrique, non, ce n'est pas la solution. La voiture électrique, ce n'est pas la solution. Et par rapport à ce sujet, si ça vous intéresse, je vous recommande de suivre le chercheur Aurélien Bigot, B-I-G-O, s'intéresse notamment à la transition énergétique de la mobilité dans son ensemble, et qui dit que la voiture électrique, c'est un moyen de transition de nos mobilités, mais ce n'est pas la solution. La voiture n'est pas la solution. Mais tout notre espace public a été pensé pour la voiture. Tout. Il va nous falloir du temps pour avoir le temps de transformer nos villes et nos espaces pour le rendre acceptable et adapté à d'autres véhicules hors voiture. Et plus c'est léger, mieux ce sera. Pour finir de répondre avec un ordre de grandeur, en supposant que le nombre de véhicules total sur la planète ne change pas et qu'on remplace les véhicules thermiques par des véhicules électriques, ça n'est pas possible. Matériellement, pas possible. Donc c'est pas du défaitisme ou des oiseaux de mauvaise augure. Matériellement, les minerais ne sont pas là pour remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc, c'est pour renforcer la phrase, c'est un élément de transition, mais pas de solution. Ça permet de faire une étape intermédiaire. C'est la phase transitoire, en fait. En sachant que la phase, le régime permanent à la fin, ne pourra pas se faire avec autant de véhicules. Et que, donc, c'est juste en attendant qu'on refasse les infrastructures autrement. Ouais, alors je voudrais juste apporter un petit complément d'information par rapport à au sujet du véhicule électrique. Il y a eu des analyses de cycle de vie qui ont été réalisées sur des véhicules thermiques et des véhicules électriques.
et qu'il y a plusieurs paramètres qui vont modifier un peu la réponse. D'abord, c'est l'origine de l'électricité. Si l'électricité est d'origine décarbonée, effectivement, ça va être moins impactant que si votre électricité elle est produite à partir du charbon. Donc ça, c'est un élément. Le vrai problème du véhicule électrique, ce n'est pas ses émissions, puisque effectivement, elles sont plutôt très limitées par rapport au véhicule thermique, mais c'est le problème de gestion des déchets, des batteries en l'occurrence, et ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet en soi quand même. Mais globalement, les analyses de cycle de vie comparative montrent que c'est favorable aux véhicules électriques. Voilà. Même le plus gros SUV électrique sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule est meilleur qu'un petit thermique. Ce que je voulais, en fait, c'était la diapo 7. Alors d'abord, merci pour votre présentation. Je suis parti un peu pire, en fait, pour répondre à la question précédente, mais... Lors de la présentation de la diapo 7, tu as parlé, Roselyne, de est-ce que c'est possible, alors j'essaye de me souvenir de mémoire, est-ce que c'est possible de vivre finalement avec uniquement des énergies renouvelables? Et tu n'as pas apporté la réponse, en fait. Et parce que cette réponse, en fait, elle est super compliquée. Théoriquement, on pourrait vivre avec 100% d'énergie renouvelable. J'ai assisté hier à un webinaire qui était donné par le Labo 1.5, qui était sur l'énergie. Et c'était un chercheur du CEA qui a fait cette présentation et qui a montré un peu quelles étaient toutes les sources d'énergie possibles. Et puis, il a comparé ça avec la consommation annuelle mondiale d'énergie. Et ben, le potentiel géothermique, par exemple, en France, enfin, sur Terre, permettrait de couvrir 100% des besoins d'énergie mondiaux. Donc c'est assez considérable, mais alors on peut se poser la question pourquoi est-ce que finalement on n'y parvient pas. Et ça amène aussi à la vraie question sur l'empreinte de l'humain sur le système Terre. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas finalement à mettre en pratique des solutions qui seraient peu impactantes. La vérité c'est que c'est le financier qui est à l'origine de tout ça. Il faut quand même garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour des questions de profit. C'est-à-dire que faire de la géothermie, on sait qu'il y a un potentiel, que ça peut couvrir tous les besoins dont on a besoin en énergie, mais on n'est pas capable de le mettre en place parce que ça coûte trop cher. La vérité, c'est ça. C'est que pour l'instant, le critère qui domine et qui prédomine toutes les décisions, c'est le critère économique et le critère financier. Je voulais juste remettre ça en perspective. C'est que si on en est arrivé là, c'est pour des raisons qui étaient de profit. Et que si ça se dégrade, c'est toujours pour des questions de profit, et qu'à un moment donné, il faudra que ça change. On voit que globalement, l'impact, en tout cas le critère environnemental, commence à prendre de plus en plus de place dans les choix, dans les décisions, dans les mises en œuvre. Et les gens du génie civil le savent très bien, puisque depuis quelques années, les normes, les réglementations imposent de mettre en place, d'introduire des solutions qui vont réduire l'impact environnemental et de la construction, et des matériaux, et de l'opération des bâtiments, par exemple. Donc, ils le savent très bien. Mais que ce critère n'est pas encore le critère prédominant. Et que, je ne sais pas quand tu auras ce point de rupture, et si ce sera possible un jour. Mais en tout cas, il va falloir trouver un équilibre entre le développement économique et l'impact sur le système Terre. Alors, en une phrase, parce qu'on a encore une question en haut. On a fait le choix volontairement de faire cette... On est en première conférence du cycle et il y a d'autres thématiques qui vont plutôt aborder ces sujets-là après. Donc on a fait le choix d'essayer de rester très factuel et de ne pas entrer dans... Enfin, factuel, scientifique, état de la planète, et de ne pas entrer dans des considérations économiques. Néanmoins entrer dans des considérations sociétales quand même sur l'état de l'humain. Mais normalement, ça vient dans les conférences d'après. Oui, en fait, c'était par rapport à ça. Parce que, en fait, là, on a un temps de questions. Et moi, j'aurais beaucoup de questions, mais je me suis retenue parce que cette première conférence, c'était sur l'impact. Et l'impact, du coup, qu'on a, on l'a compris. Et ensuite, il faudrait minimum autant de temps de conférences entre guillemets pour discuter des solutions. Alors on a parlé de la voiture, on a parlé de l'industrie, du textile, etc. Mais du coup, il faudrait au moins tant de présentations, etc. pour parler de
toutes les solutions qui existent, industrielles, scientifiques, etc. Et du coup, ces questions-là, c'est à ce moment-là qu'on pourra se les poser. Je pense que c'est un peu injuste de les mettre sur la table comme ça, un peu rapidement. Juste. Pardon, c'est un peu injuste de les mettre comme ça sur la table sans... Parce que du coup, on n'a pas l'occasion de donner des données précises, etc. Il faudra prendre le temps pour discuter tranquillement. Voilà, normalement, sur les 5 autres conférences, on évoque ces aspects-là et vous aurez le temps d'échanger sur ces aspects-là. Et c'est aussi ça le parcours de formation, c'est-à-dire qu'on vous apporte un état des lieux, on vous apporte des éléments de réflexion et avec ça, vous construisez votre vision du monde, votre échelle de valeur, votre choix de société. On n'est pas là pour vous l'imposer. On a déjà imposé un historique depuis plusieurs dizaines d'années qui est assez lourd sur nos épaules et les vôtres. Donc, inventons autre chose ensemble, mais partons du même constat commun. C'était ça l'idée de ce matin. Oui, en fait, le combat du GIEC et de l'EPBAES, c'est de donner les bonnes bases du constat, de bien comprendre ce qui se passe et pourquoi et comment et comment le système fonctionne ou comment il se dérègle ou comment on le dérègle plutôt, pour pouvoir proposer les meilleures solutions possibles qui bénéficient au plus grand nombre. Juste des solutions à certains endroits peuvent avoir des effets inverses, mais il faut bien comprendre la base pour pouvoir se proposer les meilleures solutions. On est fini ? Est-ce qu'il y avait encore des questions ? Merci beaucoup déjà. Avant que tu fasses le mot conclusion, ouais. Vas-y. Merci à vous. Bon, j'espère que vous avez apprécié la chance que vous avez eue de pouvoir assister à cet exposé ce matin, à ce qu'on ait pu organiser cet événement. Vous avez cours à 10h15, pour certains avec moi, donc on va rediscuter un petit peu de tout ça. Et n'oubliez pas donc qu'ensuite, il y a un petit prolongement... En termes de restitution et de contrôle de vos connaissances et de vos acquis. Voilà, donc on vous laisse vous aérer un petit peu. Nous, on va libérer les lieux. Encore merci pour votre comportement, quand même. Je crois qu'on peut le dire. Que ça aille jusqu'au bout.